Xong anh chơi những cái chỗ. Ông chủ nhiệm đây, và cả một tổ cây tâm ca để tệ thi sạm nạc ca. Lúc này, xe có lập thi lăng rì ca âm bình dự thang được phía bọt tâm miên phía kỳ để từ bàn chơi cho rùm nâng nông nông nạc ca sạm nạc ca tâm rạp ngay này. សូមគោរពលោកធានភិក្ខុដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាមណការនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យនាំជនចាប់យកទៅកាន់ឈើរៀងពងកញ្ចក់សេះដែលរៀបចំទុកសម្រាប់ជនចាប់យកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ ជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិឡើងធ្វើទៅថ្លែងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Monsieur le Président, avant de commencer, je souhaite informer la Chambre que je voudrais diffuser pendant ma plaidoirie la vidéo dont vous avez reçu une copie et je vous demande d'ores et déjà l'autorisation de pouvoir le faire, Monsieur le Président. តាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីក្នុងការបញ្ចាំងនៅខ្សែវីដេអូលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះដំណើរការសកម្មភាពនេះ Je vous remercie monsieur le président et j'informerai Météorie l'unité audiovisuelle au moment où je souhaite intégrer cette vidéo. Reprendre le projet de notre plaidoirie après la plaidoirie de Maître Karsavoud hier soir. Et j'ai donc un ensemble de notes dont j'ai essayé de communiquer des extraits aux interprètes. Je parlerai donc le plus lentement possible. Et si je devais dépasser mon temps, Monsieur le Président, je vous demanderai une brève augmentation. Au début de mes explications, je souhaite tout d'abord adresser mes plus sincères remerciements à toute l'équipe
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានធ្វើការងារយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ជំនួយនឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំអរិយាពេជ្រច្រើនខែរួចមកហើយសុប្រូសេអេលីម៉ូដើម្បីអាចឲ្យយើងរៀបចំនៅតាមបានសវនាការនេះបានហើយគឺស្វាសេចក្តីស្ថានដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជួបនេះពេលនេះចំពោះអង្គសវនាការទូសេយូរីសវាក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងជួយជ្រោមជ្រែងពីកម្មសិក្សាការីនិងអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមន
Les excuses de maître Marie-Paul Canizares, qui, pour des raisons graves de santé, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je vais vous dire quelques mots personnels. Ce sera, en ce qui me concerne, ma dernière plaidoirie d'avocat. Dans quelques jours, je fêterai mon 37e anniversaire dans ma prestation de serment. Après cette plaidoirie, je déposerai ma robe. C'est un moment important dans une vie professionnelle et humaine. Pour rejoindre, vous le savez, le tribunal spécial du Liban, où le secrétaire général des Nations Unies a bien voulu me demander d'exercer la fonction de chef du bureau de la défense. C'est dire que je continuerai, mais sous d'autres formes, mon engagement au service de la justice pénale internationale. Alors, si vous me le permettez, et tenant ces circonstances particulières, personnelles, pardonnez-moi, de cette dernière plaidoirie d'une longue carrière, je voudrais dédier mes mots à mes petits-enfants et à travers eux, à ces jeunes générations que nous voyons monter, à ces jeunes avocats que nous avons vus sur les bancs des partis civils, et plus particulièrement ces jeunes avocates. Mes chers consoeurs, votre barreau peut être fier. Je suis certain que l'expérience que vous avez vécue dans cette audience, cette expérience habitera toute votre vie professionnelle. Se lever pour défendre, telle est la noblesse de notre métier. Se lever pour être à côté. À côté de celui que tout accuse, à côté de celui qui est ici, accusé de l'un des crimes les plus graves qui puissent exister,
pensez donc crime contre l'humanité. Quand j'entends une telle somme de contre-vérités dans les propos des co-procureurs, quand je n'entends pas une seule parole d'humanité envers un accusé qui a apporté au bureau des co-procureurs l'essentiel des accusations qu'ils utilisent contre lui. Alors, je suis bien à ma place de défenseur. Mais derrière la robe, il y a évidemment l'homme. L'homme tellement bouleversé par ce qu'ont pu subir les victimes. C'est ma compassion et mon respect d'homme que je veux leur dire ce matin. J'ai apprécié d'entendre tous les groupes des avocats de partie civile dire ce procès a déjà été pour nos clients un début de catharsis. Réjouissons-nous déjà de cette petite goutte d'eau face à tant de souffrances subies. J'ai apprécié, même s'il y a eu des débats entre nous, que les groupes d'avocats de partie civile défendent la présence des victimes dans nos procédures. Vous l'avez dit, mes chers confrères et mes chers consoeurs, c'est le début. Nous ne savons pas encore très bien comment faut-il faire. Mais par votre présence, peut-être aussi par vos excès, peut-être par les miens, nous avons essayé ensemble de faire que ça se produise pour la première fois dans un tribunal pénal international, les victimes étaient parties. Réjouissons-nous au moins ensemble de cette action. Comme nous devons nous réjouir tous ensemble d'être aujourd'hui à la fin de ce procès. Combien de personnes, combien de cyniques ont dit il n'aura jamais lieu. Il y a tant de difficultés dans ce tribunal. Vous n'y arriverez jamais. Et ce procès eut lieu par l'engagement de chacune et de chacun.
avec toutes ces complexités que les uns et les autres nous avons traversées et essayé de dépasser. Et ce n'est pas fini. Mais voilà. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce procès est désormais inscrit dans cette justice pénale internationale en construction. Le procureur Goldstone dit de cette justice, c'est encore un bébé. Oui. Et nous essayons, tant bien que mal, les uns et les autres, de trouver la bonne voie et la bonne voie pour un tribunal, nous le savons, à la fin du jour, c'est de rendre la justice. Vous n'êtes pas chargé de la réconciliation. Vous n'êtes pas chargé d'imposer aux victimes de pardonner. Ça n'est pas votre travail. Personne, je l'ai dit, ne peut imposer aux victimes de pardonner. Ça les regarde. Mais vous pouvez rendre et vous devez rendre la justice. Vous n'êtes pas là non plus. Que ce soit clair, vous n'êtes pas là pour lutter contre l'impunité. Le procureur est chargé de la lutte contre l'impunité. Vous êtes là pour prendre la justice. Et la force de la justice, c'est le contradictoire. Je l'ai dit au début de mes explications préliminaires. Nous sommes tous rentrés dans ce procès avec des images dans la tête de ce qu'a été la tragédie du Cambodge, avec des images dans la tête de ce qu'était S21. Mais il manquait une chose fondamentale, la voix de l'accusé. Et nous avons fait en sorte que cette voix puisse s'exprimer. Et ayant entendu d'un côté la souffrance des victimes, ayant entendu la voix des procureurs chargés d'accuser, ayant entendu la voix de l'accusé et de ses défenseurs, il vous appartiendra de dire le droit de rendre la justice. Beaucoup de choses ont été écrites sur ces crimes. Je pense à l'ouvrage de M. Antoine Garapon, un juge français, des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Vous le savez, d'autres pays ont décidé d'autres formes de justice.
ban à travers des commissions vérité et réconciliation. Il me plaît, au début de mes explications, de vous donner quelques extraits du rapport établi par Monseigneur Desmond Tutu lorsqu'ils ont refermé les auditions de la commission Vérité Réconciliation d'Afrique du Sud. Écoutez dans ce procès, écoutez la voix de Desmond Tutu. Ce rapport, disait-il, est l'aboutissement d'un remarquable effort accompli par des personnes remarquables que je tiens à remercier, notamment pour avoir été capable de résumer les déclarations des 20 000 personnes qui ont été victimes d'importantes violations de leurs droits de l'homme entre 1960 et notre première élection démocratique. Nous sommes aussi reconnaissants aux milliers de personnes qui sont venus exposer leurs histoires devant la commission. Ils ont permis une transition pacifique vers la démocratie. Phénomène unique dans les annales de l'histoire. Et ils ont créé un nouveau mode de vie pour la race humaine. Doivent aussi être félicités ceux qui ont eu la vision d'une commission de vérité et de réconciliation, évitant ainsi des procédures judiciaires nombreuses qui auraient été source d'amertume et de frustration, d'autant qu'il était difficile de trouver des témoins sérieux après si longtemps. Étonnamment, nous, Sud-Africains, sommes devenus une lumière d'espérance pour tous ceux qui sont plongés dans un conflit meurtrier, leur prouvant que la paix et une juste solution sont possibles. Par moment, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, par moment, dans ce procès, quand nous entendions les déclarations de l'accusé, nous avions le sentiment d'être un petit peu dans un processus de commission Vérité et Réconciliation. Qu'il soit rendu honneur au Cambodge d'avoir réussi à amener autant de personnes poursuivre ce procès, d'avoir réussi
par la télévision à diffuser ce qui se dit dans cette audience. Ce procès, nous pouvons le dire, aura été un exemple. Alors, venant sur le fond de nos débats, je ne fuirai pas, et vous l'imaginez, la question qui a été posée hier soir par la plaidoirie de mon excellent confrère Maître Karsavout, et vous aurez évidemment compris que notre équipe de la défense n'a pas été à l'abri de désaccords. Désaccords sur les conclusions à tirer de ce procès. Le rôle d'un avocat est d'anticiper. Et j'imagine aisément, monsieur le procureur, que vous êtes déjà en train de préparer votre réplique. Et j'imagine évidemment que vous allez nous répondre que les questions soulevées hier soir sont des questions qui relèvent des exceptions préliminaires, mais qui étant trop tardives, elles ne sont pas recevables. Je laisserai donc mon confrère Karsavout assurer la réponse à vos répliques. De la même manière, j'imagine que mon confrère a déjà préparé sa réponse à l'argumentation de Madame le procureur, qui, avec grande pertinence, je dois le dire, nous a rappelé la jurisprudence du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie sur ce que l'on appelle les principaux responsables. J'ai apprécié que ce soit un procureur cambodgien qui s'empare de la jurisprudence pénale internationale, comme j'ai apprécié que Maître Karsavout, avocat cambodgien, vous disiez hier, les lois nationales ne sont pas applicables aux crimes poursuivis. Vous devez appliquer la loi internationale. Voilà encore un acquis de ce procès. Le droit international a définitivement pénétré les instances judiciaires du Cambodge à travers vous, Madame le procureur, à travers Maître Karsavout. Alors, la défense que je dois à l'accusé est donc d'aborder le fond. Et je le ferai avec conviction. Bien entendu. Ayant été indiqué que l'accusé ne plaidait pas coupable, j'abandonne le plaidoyer de culpabilité. J'avais longuement expliqué à l'équipe que c'était deux choses contradictoires, que l'on ne pouvait d'un côté demander l'acquittement, ce qui signifie je ne suis pas coupable, et de l'autre côté faire un plaidoyer de culpabilité. Il a été indiqué publiquement que l'accusé ne plaide pas coupable. J'abandonne l'argument du plaidoyer de culpabilité. Mais
qui pourra contester les larmes de l'accusé Hachengek? Qui pourra contester les excuses de l'accusé AS21 lors de la reconstitution? Qui pourra contester ce moment de vérité qui s'est produit entre un accusé effondré sur l'épaule de ses gardiens et deux victimes qui se lèvent et qui disent aux juges d'instruction, messieurs les juges, ce sont les paroles que j'attendais depuis 30 ans. Faites votre travail, mais moi, j'ai entendu les paroles que j'attendais depuis 30 ans. Qui pourra contester ces moments que nous avons vécus? Qui pourra contester qu'alors tout le monde était dans la plus profonde sincérité, dans la plus profonde émotion, dans la plus profonde humanité? Et Maître Studinski, je me suis opposé à vous suffisamment souvent pour vous rendre hommage de ce grand moment d'avocature que vous avez eu quand vous avez interrogé Mamnai et que vous l'avez poussé et que ce grand gaillard, peut-être un dernier des communistes de la terre, s'est effondré en larmes devant nous. Oui, nous avons vécu ces moments. Nous avons encore vécu les larmes de Douk. Dès la première fois où on a évoqué le nom du professeur Futong, nous avons vécu tout cela dans ce procès. C'est en partant de tous ces éléments que oui, nous avons cherché le dialogue avec le bureau des coprocureurs. Disons-le! Et vous, les gens de la common law, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand il y a un document qui s'appelle reconnaissance des faits, vous savez très bien ce que cela signifie. Oui, nous avons dialogué avec les coprocureurs en leur disant, voilà ce procès. Vous avez un accusé qui reconnaît. C'est une chance historique pour ce pays. Nous devons construire ensemble, et pas en confrontation. Nous devons construire ensemble la vérité. Au lieu de cela, nous avons entendu hier un réquisitoire contre un homme à genoux qui demande pardon, un réquisitoire avec des mots extrêmement durs. Alors, j'avais évoqué devant vous déjà, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, auprès du bureau des coprocureurs, j'avais évoqué l'affaire Obrenovic. J'avais rêvé. J'avais rêvé de ce que l'on pourrait, ici, dans ce procès,
avoir la hauteur que l'on a vécu dans l'affaire Obrenovitch. Et je voudrais à cet instant que le service audiovisuel nous diffuse la cassette des réquisitions du procureur dans l'affaire Obrenovitch pour que chacun soit bien informé de ce que nous pouvions légitimement attendre après les reconnaissances de culpabilité de l'accusé. Well, Mr. Makhnovsky, any closing argument? Yes, Mr. President. Mr. President, Your Honors. Mr. Obrenovitch, as the Deputy Commander of a Brigade in wartime, and as the man in command of this one brigade at the time, bears one of the most awesome responsibilities in human endeavors. A military commander has the power of life and death in his hands. He has the power of protecting his own village, his town, his women and children. And of course, as we know, he has the power and responsibility over those in his custody. This is an awesome power and an even more awesome responsibility. Mr. Obrenovitch has stood in this court and looked us in the eye and taken responsibility for the murder of thousands of individuals. What possible sentence can there be for such a crime? But the value to the prosecution in this case is immense. And it's immense because this man was able to stand up and take that responsibility as a commander, the first commander in this war that I'm aware that was able to do this. And I'll explain to you why that is so valuable, why that is so important both historically to the former Yugoslavia and to this tribunal. In 1998, I was part of a team that searched the Zornik Brigade. I met with Mr. Obrenovitch in his office. He waited for the orders of his commanders, and when he got them, he cooperated with us fully. I saw him brief his troops and his staff, and for the next 8 to 10 hours, we had full cooperation and we were able to do our job and do our duty without fear, without any problem at all. So all we had with us was one major from the United States Army with a sidearm. At that time, I naively saw something in the character of Mr. Obrenovitch that I hope that may someday do the right thing. And today we know he has. And that was much appreciated. But I think it's on a larger scale, Mr. Obrenovitch has provided the truth regarding Srebrenica in a simple, clear, articulate fashion as the commander in charge of one of the most gruesome days in this war. Now, as I've stated before, bringing the truth to the former Yugoslavia, bringing it to the Muslim community and to the Serb community has historical repercussions and helps us in our duty for peace and reconciliation. We know that from the responses of Muslim leaders and Muslim individuals, many of whom I know that feel this incredible sense of relief that the truth has finally been told by someone of unquestionable military responsibility and character. Character in a military sense, but not, unfortunately, in the sense of honor that it took at the time to walk away from this.
He obviously did not do that. He did not do the right thing. He chose instead to do what his superiors had ordered him to do, and what unfortunately had been a part of this war ever since 1992. But he brings to us today, to the former Yugoslavia, into this tribunal, some hope that reconciliation can happen, that soldiers of his rank can tell the truth and will come forward, and will provide some basis for reconciliation. We've seen some of the character of the individuals from the former Yugoslavia in this court today, and that gives us hope that they will take what he has started and take that home with them. And importantly, what does he bring this tribunal in this particular case? You saw his recounting of the events. You saw the way he answered my questions, the way he answered Mr. Carnavas's questions, Ms. Sinatra's questions, clearly, concisely, without hesitation, and most importantly, without excuse. And I've not heard any excuses today or anything would lead me to believe that he has not accepted his responsibility. This came across in court clear. And it came across with the kind of strength and the kind of value that prosecutor rarely sees in a situation where a cooperating witness. It's the kind of evidence that you will be able to take back to you in your chambers and review word by word. Unless I'm mistaken, you'll be able to count on it. You'll see the rest of the evidence in this case, and you'll be able to compare it. And that will be of incredible value to you as the triers of the fact. And I have no doubt that Mr. Obrenovich will testify the same way in the upcoming Srebrenica trials, and I'm confident there will be some. Serbia must now look to what is going on in this tribunal, and they will see the truth. They will see fellow Serbs standing up, Mr. Nikolic and Mr. Obrenovich. And I have, again, naive hopes that that will in some way help them, the officials there in that country that I believe are harboring most of the most serious accused. And I know Mr. Obrenovich will stand by his word and testify in those matters like he did in the case before us. And in particular, you have had the benefit of hearing from a VRS commander, brigade commander, on military issues of command and control and responsibility. This is an incredibly unique perspective you're getting. The brigade in any army, and I think especially in the VRS, commanded the men that were in the trenches. This was the vast majority of the men. These are the men that on both sides fought and died. And the commander of the brigade is the one that has the responsibility for those men and for the men under his custody. And we were able to hear from such a commander. Hear about his responsibility as a commander. And despite rigorous and difficult cross-examination, he never wavered from his responsibility as commander and was able to show you what that meant. Much more than could possibly be told from the regulations or from the experts of the prosecution. This is of tremendous value, and it will be so in the future.
He was especially able to tell us, and I'm not going to go into the detail on this, it's not appropriate at this time, but he was able to tell us about the security branch and how the security branch worked in the command. He dispelled some myths in that regard. As your honors know, he also brought to this case materials, original materials, and I have explained in detail to this court the value of those materials. So when we look at this awful crime, you will ask yourselves, I know you will, I know you probably already have, what possible sentence can there be? But I ask you to look into this recommendation of the prosecutor, 15 to 20 years, and see that it's reasonable because of the value that this man has provided this prosecution. There was a day when we stood at the base of the dam at Petkovsky with four survivors and huge mass graves and forensic reports, and that was it. We're no longer at that stage, and that is to the benefit of this tribunal, the benefit of the former Yugoslavia, and I know to the benefit of many Muslims, I find great relief in seeing the truth so clearly said. Now, my words today and Mr. Obrenovich's words, your judgment cannot bring back the dead, and it cannot assuage the grief, the misery of the women and surviving men in Srebrenica. But I still have some of the naive hopes I had that day in 1998 when we searched the Zorna Brigade. And I think this process that we've entered into and this plea agreement that you have accepted as a review is a very important part of this process. And I trust and I know you will give it your most valued consideration. Thank you very much. Thank you, Mr. McLaughlin. Voilà. Voilà ce qui, me semble-t-il, aurait dû être ce procès et qui, me semble-t-il, aurait pu éviter ce qui s'est passé hier soir, monsieur le procureur. Alors, je dois encore des explications à ceux qui ne sont pas ici de la common law. Car j'imagine que le bureau du procureur, dans sa réplique, va essayer de vous dire oui, mais au moins Obrenovich, il avait tout reconnu. C'est faux. C'est faux. Monsieur Obrenovich était accusé de 5 chefs d'accusation. Il a, pendant 2 ans, plaidé non coupable. Quand son procès a commencé, quand le premier témoin est venu à la barre pour l'accuser, alors il est venu vers le procureur et alors seulement il a dit « Je veux plaider coupable, mais je ne veux pas reconnaître tous les faits dont vous m'accusez. »
S'en est suivi une discussion avec les procureurs. Certains appellent ça des deals. Je n'aime pas le mot. C'est un dialogue. C'est une discussion. Nous savons bien, nous les juristes, que les procureurs au départ accusent avec beaucoup de chefs d'accusation, même s'ils n'y croient pas tout à fait. Et quelle est la discussion entre un procureur et une défense? C'est la discussion qui consiste à dire au procureur, vous savez bien que ce chef d'accusation, il ne tient pas la route. Et vous savez bien que mon client ne reconnaîtra jamais ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ça la discussion qui s'instaure. Monsieur Obrenovitch était accusé de 5 chefs d'accusation. Écoutez-moi bien. Complicité de génocide, chef 1. Abandonné par le procureur. Crime contre l'humanité, extermination. Abandonné par le procureur. Crime contre l'humanité, assassinat. Abandonné par le procureur. Chef 4. Crime contre l'humanité, assassinat. Abandonné par le procureur. Et le plaidoyer de culpabilité apporté sur le chef numéro 5, coupable de persécution. C'est-à-dire que le procureur et les juges qui ont accepté ce plaidoyer de culpabilité, et vous trouverez, la Chambre trouvera sur Internet, sur le site du tribunal, l'accord entre les parties qui a été soumis aux juges, et les juges ont dit, mais ça nous convient, parce que oui, cet homme a reconnu l'essentiel. Certes, il y a des choses qu'il ne reconnaît pas, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a reconnu l'essentiel, et le plus important, c'est que cet essentiel va servir à la réconciliation. Voilà ce qu'ont dit les juges du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Alors certes, devant ce tribunal, on applique la civil law. Le plaidoyer de culpabilité n'existe pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qui aurait empêché de le promouvoir, puisqu'il est indiqué dans nos statuts que ce qui n'est pas prévu par le droit national, on peut le chercher dans le droit international. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui l'a empêché? Eh bien, ce que j'appelle le ratage du bureau des coprocureurs qui a raté son rendez-vous avec l'histoire. Je le dis ici. Entraînant des frustrations dans l'opinion publique chez les victimes, à qui on n'a pas cessé de dire, il ne dit pas tout. C'est ça le discours qui a été tenu, et encore hier à cette audience. Il ne dit pas tout. Ce qu'il dit ne servira que très peu à la réconciliation. Voilà le discours que j'ai entendu hier. Quel gâchis. Avec un accusé qui, depuis le début, depuis le premier jour, a dit au juge d'instruction, je suis coupable,
Je suis responsable de l'ensemble des crimes. Non. Le procureur a préféré faire un, je dirais, un réquisitoire tout à fait classique, tout à fait traditionnel. Dont la philosophie est cet homme est un monstre, même si on nous a dit je ne dis pas que c'est un monstre, mais en réalité on a tenté à démontrer qu'il en était un. Enfermez-le pour 40 ans et tout ira mieux dans la société. Mais quand donc les procureurs voudront-ils admettre que c'est un discours usé, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes qui font qu'un homme, bien sous tout rapport, comme on dit, devient un jour un bourreau. C'est ça que j'aurais aimé vous entendre aborder, monsieur le procureur. Parce qu'à Nuremberg, on a dit pareil. Ces gens sont des monstres, on va les condamner à mort et ça sera l'exemplarité. Mais après Nuremberg, il y a eu le Cambodge. Après le Cambodge, il y a eu le Rwanda. Qu'est-ce que c'est l'exemplarité que vous recherchez? Elle sert à quoi dans vos discours classiques? Tant que vous n'aborderez pas les vrais problèmes, eh bien nous les aborderons. Nous les aborderons de ce côté-là de la défense. Dans ce que Chandler a lui osé aborder, il vous l'a dit, après plusieurs mois de réflexion, dans son livre, il a abordé la question du crime d'obéissance. Autrement dit, comment devient-on un criminel par obéissance? J'aborderai dans une autre partie de ma plaidoirie cette question, qui plus que l'obéissance est en fait, selon moi, la soumission. Monsieur le procureur, nous avons dit que nous ne voulions pas que notre client soit un bouc émissaire. J'aimerais que l'on comprenne bien ce que je veux dire par l'expression bouc émissaire. Vous savez bien, le bouc émissaire dans les sociétés, et ça remonte très loin, c'est celui que l'on chargeait de tous les maux, de toutes les souffrances d'une société. On le mettait sur la tête d'un bouc chez les Hébreux et on envoyait le bouc dans le désert pour que le groupe social puisse se reconstituer en disant « Ce bouc porte en lui toutes nos fautes ». C'est ça le bouc émissaire. Mais tant que nos sociétés et tant que les réquisitoires des procureurs porteront sur cet homme est un bouc émissaire, vous n'avancerez pas d'un millimètre dans l'évolution de l'humanité. Non, Duc n'a pas apporté sur sa tête toutes les horreurs de la tragédie du Cambodge. Non, Duc n'est pas la personne que vous ont décrite les coprocureurs. J'ai entendu dans la bouche de partie civile les mots de farce.
de larmes de crocodile. À propos des remords de l'accusé. J'ai entendu dans la bouche des coprocureurs les affirmations. Il a manœuvré pour être promu. Il aimait le pouvoir. Il a développé une relation forte avec les hauts dirigeants. Il fournissait des conseils aux dirigeants. Et sans risque de se contredire, le procureur a rajouté que l'accusé était un fervent disciple de l'idéologie du PCK. Je ne savais pas qu'au Cambodge, c'est le disciple qui enseigne le maître. J'ai entendu que l'accusé prenait plaisir à transformer des êtres en tortionnaires. De quels éléments du dossier résultent de telles affirmations gratuites? J'ai entendu que l'accusé a eu un rôle important dans les purges de grande échelle qu'il a organisées avec Soumet. Mais je n'étais pas au courant que l'accusation vous ait demandé pour étayer cette accusation la comparution à la barre de M. Soumet. Je n'étais pas au courant. Par contre, ce dont je suis au courant, c'est qu'une telle affirmation est en complète opposition avec les propres déclarations de M. Hutchison, membre du bureau du procureur. Nous aurons à parler beaucoup dans ma plaidoirie de M. Hutchison. La Chambre se souviendra que j'avais protesté contre la dénomination d'experts qu'on a voulu lui donner. Je ne sais pas si la Chambre est au courant, mais il est bon qu'elle le soit, que dans une décision récente, les co-juges d'instruction viennent de dire que M. Hutchison n'est pas un expert parce qu'il appartient au bureau des co-procureurs. Je m'inspirerai donc des propos de M. Hutchison comme étant un membre du bureau du procureur et non pas comme un expert. J'ai entendu que Son Sen et l'accusé étaient des frères d'armes. Nous verrons plus loin ce qu'il en était. J'ai entendu des mots. L'accusé a été à l'origine du réseau de terreur qui a ensanglanté le Cambodge. Et vous allez faire avancer la réconciliation avec des contre-vérités comme celle-là, mes collègues du bureau du coprocureur. Donc serait-il devenu Pol Pot? Pardon aux victimes de ce que je vais dire. Mais combien de morts à S21? 12 382 trop. Nous sommes d'accord. Combien de morts au Cambodge? 1,7 million. Ça veut dire que S21 serait responsable de moins de 1% des morts du Cambodge?
Et vous venez dire à la Chambre que Duc est à l'origine du réseau de terreur qui a ensanglanté le Cambodge? Mais comment osez-vous? Et vous avez ajouté, il a été un des instruments les plus effectifs de la politique du Parti communiste du Kampuchea démocratique. Ce sont vos mots. Il a été un des instruments les plus effectifs de la politique du Kampuchea démocratique. Vous avez cité Mme Baker, que vous n'avez pas osé citer comme témoin. Il a dit avant le procès. C'est l'homme qui répandait la terreur dans l'ensemble du pays. Alors, je suis désolé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, mais même si vous avez déjà entendu beaucoup de choses, il nous reste encore du travail à faire ensemble. En ce qui me concerne, le travail, je vous le proposerai non pas à partir de supputations, non pas à partir de contre-vérités, d'exagération, de citation tronquée. Je vous le proposerai en passant en revue avec vous les épisodes du procès que nous avons vécu ensemble. C'est-à-dire en reprenant tout simplement les citations pertinentes pour la défense de l'accusé. Et pour les interprètes, j'aborde le point 2 dans le document que nous vous avons donné, qui est la reconnaissance des faits. Pardon si je m'en éloigne de temps en temps. Je voudrais vous rappeler à la Chambre l'extrait de la déclaration de Duc au premier jour du procès, et vous le mettrez évidemment en balance avec ce que vous venez d'entendre dans ce magnifique réquisitoire du procureur dans l'affaire Obrenovitch. Extrait de la déclaration de Duc du 31 mars 2009. Les crimes commis durant cette période ont été immenses. En outre, les pertes de vies humaines s'élèvent à 1 700 000 personnes. Et en tant que membre du PCK, je reconnais que je suis responsable de ces crimes qui ont été commis par le PCK durant cette période. Deuxièmement, je voudrais aussi revenir sur les crimes commis à S21 et reconnaître ici ma responsabilité sur le plan juridique. Je voudrais souligner que je suis responsable des crimes commis à S21, en particulier s'agissant de la torture et des exécutions qui ont été commises. Et tout au long du procès, vous le savez bien, il n'a jamais varié. M13, oui, j'étais chef de M13, ensuite j'ai été chef de S21 et tous les crimes, y compris la détention, les conditions inhumaines à l'encontre d'hommes, de femmes et d'enfants, jusqu'aux exécutions de femmes et d'enfants, ce sont des actes dont je suis responsable. 8 avril 2009. Monsieur le juge Laverne, le 15 juin 2009,
vous lui avez posé la question suivante. D'une façon générale, est-ce que vous reconnaissez que les prisonniers de S21 ont souffert d'atteintes graves à leur intégrité physique et mentale en raison des actes inhumains qui leur ont été infligés? Actes inhumains qui comprenaient la privation intentionnelle de nourriture, la privation d'installation sanitaire, la privation de soins médicaux appropriés. Est-ce que vous reconnaissez que pendant leur détention, les prisonniers étaient soumis à des violences et des restrictions sévères? Est-ce que vous reconnaissez que les conditions harassantes qui leur ont été imposées, tant individuellement que collectivement, avaient pour objet de les démoraliser, de les dégrader, de les déshumaniser, de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanent? Réponse de l'accusé. Monsieur le juge, tous les crimes que vous venez dénoncer, je les accepte sans en rejeter un seul. Et pour remettre en cause la reconnaissance de responsabilité de l'accusé, le bureau des procureurs hier s'est plaint que la défense avait essayé d'empêcher le flux, j'ai bien aimé le mot, le flux de documents. Mais vous avez un aveu. Nous y reviendrons quand nous aborderons le droit. Sur Chong Ek, le 8 juin 2009, donc, dit Douk, en conclusion, ces enfants ont été tués à Chong Ek ainsi qu'à S21. Et les images abominables de ces enfants, dont le crâne a été frappé contre le tronc d'un arbre, eh bien c'est cela, et je suis criminellement responsable de ces actes, car ces actes ont été commis sous ma supervision. Larmes de crocodile. Farce. Madame le juge Cadraille, le 16 juin, vous avez posé la question à l'accusé. Aujourd'hui, vous m'avez paru rongé par le remords et extrêmement honteux du rôle que vous avez joué dans l'obtention des aveux à l'aide de la torture. Est-ce exact? Oui, c'est exact, madame. Et encore, vous avez précédemment, votre question, madame, vous avez précédemment expliqué de quelle manière vous avez essayé en vain de sauver 3 enfants. Mais vous avez également parlé, lors de votre déposition auprès des co-juges d'instruction, vous avez parlé de vos regrets de n'avoir pas essayé plus, pas essayé de faire plus, n'est-ce pas? Madame le juge, c'est exact. Je n'ai pas utilisé de prétexte pour dissimuler mon crime sur les enfants. Je n'ai pas utilisé de prétexte. Souvenez-vous, le procureur Dan Obrenovitch, il n'a pas utilisé de prétexte. Et vous ajoutez, madame, juste une précision, quand on se réfère au document que vous citez, vous avez parlé d'avoir observé d'autres Khmer Rouges qui avaient réussi à faire en sorte que d'autres enfants puissent être gardés en vie. Mais vous n'avez pas fait de même
et vous le regrettez. Réponse de l'accusé. Madame le juge, la honte que je ressens, eh bien, je la ressens à tout moment. Sur la lâcheté, 15 juin 2009, je cherchais à éviter tout contact avec les prisonniers. Je ne sais pas comment décrire cela, mais je peux vous dire que j'ai fermé mes yeux, mes oreilles, bouché mes oreilles. Je ne voulais pas voir la situation telle qu'elle était dans la réalité. Car la réalité n'accommodait pas mes sentiments. Par conséquent, je ne m'autorisais pas à voir ou à entendre quoi que ce soit. Et la question lui posée, est-ce qu'on peut appeler ça de la lâcheté? C'est une question de vous, monsieur le juge. La veine. Réponse. Je pense que l'on est au-delà de la lâcheté. J'accepterai la lâcheté, mais là, on est au-delà. Vous pouvez même dire que j'ai trahi mes amis. On est au-delà de la lâcheté. Monsieur le procureur, vous avez requis hier violemment contre un homme à genoux qui demande pardon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas votre réquisitoire. Je n'aime pas le ton de votre réquisitoire. Sur le travailleur méticuleux. Intéressant ce que nous a dit Duc. Intéressant pour votre décision. Le 2 septembre 2009, il vous dit, on a aussi employé le terme travailleur méticuleux pour décrire ma personnalité. Si l'on replace cela dans le contexte d'un gouvernement bon, ce serait une vertu. Mais il se fait qu'à l'époque, le gouvernement était un gouvernement de nature criminelle et cruelle. Et ces termes qui décrivent ma personnalité aujourd'hui résonnent douloureusement dans ce contexte. Je voudrais encore vous donner quelques extraits de ce document que vous avez au dossier. D'abord, mais aussi des transcriptions de nos débats concernant la reconstitution à S21 et à Chungkek. Il dit, quand je suis arrivé à S21, j'ai été choqué également de tout ce qui s'était passé à S21. J'ai pu voir trois survivants qui étaient là devant moi et le souvenir du passé m'est revenu. Autre chose qui a suscité ce souvenir, les photos des détenues femmes avec des enfants dans les bras. Cela m'a aussi bouleversé et je suis resté bouleversé devant les victimes, bouleversé par ce qui s'est passé. J'ai fait une déclaration demandant pardon aux esprits, à l'âme de ceux qui étaient morts. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais
que cette visite à S21 et à Chung-Ek. Je voudrais encore dire quelque chose à ce moment, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Qui aurait imaginé que Duc accepterait de revenir à S21 et à Chung-Ek entre deux gendarmes, entre deux juges d'instruction? Vous imaginez ce que cela représente comme chemin personnel intérieur? Vous savez, quand je disais tout à l'heure que ce procès a eu lieu, quelle que soit l'horreur des crimes commis, que rien n'effacera, il n'en demeure pas moins que cet homme qui s'auto-accuse de tout cela a accepté toute la procédure d'instruction, a accepté de revenir lors de ces reconstitutions, a accepté de se présenter ici, devant vous, devant le peuple cambodgien, devant les victimes. Ça n'enlève rien au crime. Soyons clairs. Mais ça dit quand même quelque chose, me semble-t-il, du remords. Sans doute, ce procès n'aurait pas pu se tenir s'il avait décidé, comme d'autres, de garder le silence. Ou pire, s'il avait décidé que ça suffisait pour lui, comme certains lui ont suggéré. Il a rajouté encore le 16 septembre, lorsque je me suis rendu à Chung-Ek, accompagné des juges d'instruction, j'ai pensé à la mémoire des enfants qui ont été exécutés et qui ont été exécutés de manière atroce lorsqu'ils ont été fracassés contre le tronc d'un arbre. Et j'étais déterminé à me rendre en ces lieux afin de m'agenouiller, de rendre hommage, de rechercher le pardon et de rendre hommage aux âmes de ces personnes. Vous voyez, la tâche de l'avocat, surtout pour défendre quelqu'un accusé de crimes aussi graves, n'est pas facile. Mais nous avons toujours un avantage majeur sur les coprocureurs. Ils ont tous les moyens à leur disposition. Ils ont des équipes, ils ont des experts, ils ont des assistants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Il leur manque une chose, c'est le contact avec l'accusé. Nous nous voyons l'accusé en prison, dans ces moments intimes où il nous parle à ses avocats, où il nous livre ce qu'il a sur le cœur. Nous, dans les reconstitutions, voyez-vous, nous voyons ce que vous ne voyez pas, vous les coprocureurs. Nous voyons quand l'accusé se met derrière le groupe discrètement, avec l'aide de ses avocats, discrètement. Et quand l'accusé s'effondre en larmes, sans que personne d'autre que ses avocats ne le voit, s'effondre en larmes auprès de la fosse où ont été assassinés ses enfants, ça nous le voyons. Et j'en témoigne aujourd'hui. Malgré les dénégations des coprocureurs qui n'ont tenu
dans le réquisitoire définitif, aucun compte, vous m'entendez, aucun compte. Après un an d'instruction, les procureurs n'ont tenu aucun compte dans leur réquisitoire définitif de la reconnaissance des faits par l'accusé, de son plaidoyer de culpabilité, car à l'époque c'était cela, de ses remords exprimés. Vous trouverez, si vous avez de la chance, car je ne le retrouve même plus, une demi-phrase dans le réquisitoire définitif. Une demi-phrase où le procureur dit il a reconnu. Après un an d'instruction, à tel point, je vais le dire, que je m'en suis ému auprès de M. Robert Petit. Je lui ai dit, ce n'est pas acceptable. Et il m'a dit, je vais corriger cela dans la conférence de presse que nous allons tenir. Et les propos ont été tenus dans une conférence de presse, mais pas dans le réquisitoire définitif. Je le dis, le procureur s'est trompé de procès. Mais les juges d'instruction, eux, ne se sont pas trompés quand dans leur ordonnance de renvoi, malgré cela, malgré les dénis du bureau des coprocureurs, les juges d'instruction écrivent ceci, paragraphe 167. Donc, a toujours reconnu sa responsabilité en sa qualité de chef de S21 pour les crimes qui ont été commis. Il a expliqué qu'il avait été amené à sortir de son silence en 1999, estimant que l'on ne pouvait pas ne pas dire la vérité sur S21, et ce, après avoir entendu les propos tenus par Pol Pot, qui niait l'existence de S21 et prétendait que c'était une invention des Vietnamiens. Duc a régulièrement exprimé des remords aux victimes et à leurs familles, mais également aux anciens employés de S21 placés sous son commandement. C'est des juges qui parlent, ce n'est pas des avocats, c'est des juges qui écrivent ça, deux juges. Il poursuit. Il a affirmé qu'aucun de ses employés ne s'était porté volontaire pour faire ce qu'il avait fait ou n'en était fier, mais que plongé dans un climat de terreur où il risquait chaque jour sa vie, chacun n'avait eu d'autre choix que de s'exécuter. 168. En outre, Duc a volontairement coopéré au cours de l'instruction, se refusant à impliquer le moindre de ses subordonnés et à rejeter exclusivement la responsabilité sur les instances supérieures du parti pour s'exonérer lui-même. Confronté à certaines incohérences relevées dans ses dépositions devant les juges d'instruction, il a indiqué qu'elle s'expliquait par la peur et la honte qu'il ressentait lorsqu'on lui rappelait l'histoire extrêmement douloureuse des crimes commis. Voilà ce qu'écrivent les juges d'instruction après un an d'instruction et que les coprocureurs ont voulu ignorer. គឺជាអង្គហេតុដែលសហការក្រុមធ្វើបង្កេតបានរកឃើញក្រោយពីមានការធ្វើបង្កេតជាងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសហប្រញ្ញាមិនបានទទួលស្គាល់ទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះទេលោកលោកស្រីចៅក្រុមខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះយើងគួរទៅដល់ពេលជប់សម្រាកហើយ បានឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវជប់សម្រាកហើយអង្គជម្រះប្រកាសសម្រាក 20 នាទី ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 11 ខ្វះ 20 ខ្វះ 10 នាទី អញ្ជើញចូលវិញ ដើម្បី បន្ត កិច្ច ដំណើរការ សម្ដីការ របស់ យើង សូម អញ្ជើញ ក្រុង ចូល